partir sur ça. Donc on lance le jeu, on va donc partir sur la partie numéro 1 de Hector qui m'a été offert par Dark Falcona. Et je le remercie, sachant qu'apparemment c'est un jeu qui fait très très peur. Donc tentons, voyons un petit peu tout ça. Mais on arrive via des flammes, très bien. Avançons vers les flammes. J'ai pas l'impression de pouvoir avancer vers les flammes. Ok. Petit feu de camp, dites-moi si la cam n'est pas trop grosse aussi, que je cache pas trop le truc ou quoi. Hein. Dites-moi tout ce que je dois régler pour la partie numéro 1 comme ça. Tu réglages, je te rends bon. Je vous laisse la petite scène d'introduction, donc un petit feu dans la forêt apparemment. Cet endroit n'est pas ce que vous pensez que c'était. S'il vous plaît, aidez-nous. Donc mettez-vous dans l'ambiance, les amis, hein. Commencez à mettre un casque. Putain, c'est quoi ce jeu? Commencez à mettre un casque, mettez-vous dans le noir et venez partager ce petit moment avec moi. N'hésitez pas à m'envoyer des snaps pour me montrer comment vous êtes là dans ce moment d'horreur pour voilà, être dans l'ambiance. Pliers, scissors, feathers, waterboard and oil are most barbaric tools. Je comprends ce qu'il dit. My favorite toy of all is the needle. There is elegance about sewing a man back together. Ok, donc on est dans un truc de docteur bizarre. Je vais voir après pour mettre les sous-titres. Pour l'instant, juste j'essaie de comprendre et de vous traduire ce que je comprends. My hand is not as steady as it once was. Donc en gros là, tout ce qu'on voit c'est qu'il y a un mec qui est en train de faire des expansions. Tout simplement. Ok, donc là voilà, scène de chargement. Ok, arrête l'eau, commence le feu. Arrête l'eau, commence le feu. What the hell? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Je commence le jeu là? Non. Là c'est bloqué, très bien, l'arme normal. Left CTRL to crouch. Du coup je peux ramasser le briquet. Est-ce que je peux me servir du briquet? Ok, je peux allumer du coup un peu le feu. Je peux pas avancer. C'est très embêtant. Étrangement je ne peux pas avancer. Il faut que je refasse mes contrôles. Oh c'est chiant, je peux pas faire mes contrôles en jeu. Arrête. Je peux pas faire mes contrôles en jeu. Ok c'est pas grave. J'ai mis ça comme ça, ok c'est parfait. On peut courir comme ça, on est donc ici. Donc on voit pas trop ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe ici? Donc n'oublie pas de prendre tes médicaments. Reste 3, tu équipes benzopiles. En gros là tu peux équiper des piles. Donc tu peux faire F pour manger ces pilules. Donc imaginons, vas-y je vais faire ça. Je vais en manger une. Alors, histoire d'eux, ils m'ont dit d'en prendre une, j'en prends une. J'ai trop envie d'aller là-bas. Putain ça. Je vais pas me prendre la balle. Pourquoi je suis là? Y'avait pas une histoire dans ce jeu? Frère, je vais où? Je vais tout droit. Mais c'est. C'est quoi ce jeu? Pourquoi je suis là comme ça? Je pensais qu'il allait y avoir une histoire et tout. Mais. Gros, y'a pas un truc que je peux prendre là? Tu vas me pop au doigt, une intersection, les potes, ça va être terrible. En gros, j'ai l'impression de faire des tours là depuis tout à l'heure. Oh, ça s'est allumé. Qu'est-ce qui se passe? Où dois-je aller? J'ai tenté d'aller à gauche, j'ai pas été à gauche depuis tout à l'heure. Ok, c'est une impasse, même pas. C'est pas une impasse. Ah, nice, c'est une pièce, il y a pas mal de trucs. Damn. Cuillère, là on a des benzopills. Je sais pas trop à quoi ça sert les benzopills, honnêtement. J'attends de voir avant. Donc là, est-ce qu'il n'y a pas un truc à ramasser? Il n'y a rien. On va du coup pouvoir continuer notre cours. Pourquoi on commence comme ça? C'est terrible. J'ai grave pas envie de commencer. Oh, il y a un truc à faire. Obligé là avec l'électricité ou un truc comme ça. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien à faire ici. Très bien.
Où vais-je devoir aller? Mais non! What? Arrête! C'est incroyable ce jeu! C'est incroyable! Je fais des demi-tours depuis tout à l'heure. Mais what the fuck? Donc, attends. Left mouse bouton. Est-ce que je peux la ouvrir? J'ai pas l'impression de pouvoir l'ouvrir. Je peux absolument pas ouvrir cette porte. Je ne peux pas ouvrir cette porte, très bien. Mais non, mais c'est quoi ce jeu? Oh, c'est fabuleux! Oh, c'est fabuleux! Oh putain, je me chie dessus. Oh, c'est terrible. Oh, je suis païen. C'est quoi ce brain du jeu depuis tout à l'heure? Pièce ici. Certainement des objets qui doivent être par là. Je dois pas me servir de ça. Oh, c'est vraiment stylé. Honnêtement, le jeu, rien à dire là-dessus. On va ouvrir les portes, on va essayer de rentrer dans les pièces, hein, dans tous les cas. Essayons de fouiller un peu. La porte là-bas, c'est ouverte. Eh, ça me fait flipper, je comprends plus rien. Je comprends plus rien. Est-ce que je peux me cacher dans un truc? Comme dans tous les jeux d'horreur classiques. Non, j'ai pas l'impression de pouvoir. Là, il y a des vêtements. Est-ce que je prends une veste pour avoir genre l'air un peu plus stylé? Donc, non, je ne peux pas. Porte ici. Douche là-bas. Pas grand-chose à prendre là. Putain, il fait peur ce jeu. Là, j'ai l'impression qu'on peut aller genre plus ou moins dehors. Ici, c'est donc les douches encore. On va aller là-bas. Pas des objets quelque part là. J'ai l'impression de faire des tours depuis tout à l'heure, c'est terrible. Genre, en gros, ce jeu te fait perdre la tête. Hein. Donc là, j'ai pris je ne sais pas ce que c'est. Donc là, je ne sais pas du tout ce que c'est. Mais j'ai des trucs, très bien. Je vais prendre ça, hein. Je prends une petite pilule les potes. J'en prends une juste pour le fun. Ah, de la lumière, on va aller dehors, allez, allons dehors. Allez, allons dehors. Qu'est-ce qui se passe, putain? Là c'est fermé. Ici je ne peux rien y faire, j'ai l'impression. Pourquoi j'entends des cris chelous là? Je peux pas ouvrir ça, je peux pas me servir de ça. Je peux pas prendre la chaise. Ok, ici je ne peux rien faire. J'ai l'impression de m'être un peu perdu. Il y a des cris, j'ai grave chelou. Où est-ce que je suis? Qu'est-ce que je fais là? Genre là je peux rien faire ici. Là-bas il y a de la lumière. Moi je vais aller partout où il y a de la lumière. Hein. Go and die, qu'est-ce qu'il raconte? J'ai dû me tromper de chemin. Ça m'étonnerait quand même que j'ai dû me tromper de chemin à ce point-là. Ça m'étonnerait pas mal, mais bon, on va voir, écoutez. Hein. Ça a été par là. Peut-être qu'il y a quelque chose à faire par ici. Mec, je te jure, ce genre de choses m'arrive, je pète un câble. Genre vraiment, c'est genre une pièce, elle se transforme, et ça devient une autre pièce. Vraiment que je deviens fou. Rien à faire ici non plus. Mon pote, hein, je mange mes pilules encore. Hein, allez, ça mange des pilules encore. Et boum. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Pourquoi j'entends un stop the water, start the fire? Donc là, en gros, mon but c'est d'arrêter l'eau et de faire un incendie. Je suis dans une pièce qui m'a l'air d'être un peu plus sereine. Tu vois, genre, t'arrives dedans. Ça sort une musique un peu plus... Tu vois, t'es posé. Fils de pute. J'ai entendu un bruit chelou. Je ferme. Instant. Je dois aller en haut. Je dois aller là-haut. 100%. Le jeu, il est insane. Hein. Les gars, vraiment, le jeu, il est trop bien.
Genre merci à toi Dark Falcona. Je m'attendais pas du tout à ça. Toilette, ok, toilette. Je suis dans un bureau maintenant. Putain, mais j'ai l'impression que genre j'étais dans des sous-sols bizarres. Là je suis dans un bureau. Une porte qui m'a l'air d'être Bah c'est un petit peu la demeure du chétan là actuellement. Donc on va pas aller là, on va aller dans les toilettes. Pisser un bon petit coup là. Avec le frérot chétan qui est là. Ok, on peut pas. On peut pas rentrer dans les chiottes. Très bien. Je peux voir là, peut-être qu'il y a des trucs. Souvent dans les chiottes il y a des trucs. Dans les jeux vidéo, souvent dans les chiottes il y a des trucs. Je sais pas pourquoi ils aiment bien faire ça, c'est un petit délire. Je peux pas ouvrir celle-ci. Franchement, je peux pas. Ouais, j'ai du mal à ouvrir celle-ci. C'est pas grave. S'il n'y a pas grand-chose à faire, s'il y a d'autres toilettes. Fouillons du coup toutes les toilettes, hein. Tant qu'à faire. Pas grand-chose à faire non plus. Ok, rien là-dedans. Ouais. Là. Pourquoi on va là-dedans? J'éteins ma lumière, non. Putain. Est-ce que je peux pas sauvegarder à la Resident Evil là? Genre j'écris un petit journal, je sauvegarde. Qu'est-ce que c'est ce jeu? Ferme ta gueule la voix dans ma tête là. Ferme ta gueule moi. Ah donc là on a une note. Jackson is putting in a petition to make our conditions better. Heat, hot food, news from our family. Voilà, donc en gros Jackson il faisait en sorte que les choses se passent mieux. Donc pour avoir de la bouffe, etc. Donc voilà, un petit peu tout. Voilà là-bas. Là-bas il y a un truc. Là-bas il y avait une porte qui m'avait l'air d'être ouvrable. Mais j'ai pas envie d'aller là-bas pour le moment. Donc je vais y aller après. Des bruits trop chelous dans ce jeu. Il y a trop de chemin. Genre en gros je me perds. J'aurais beaucoup trop de chemin. Donc j'ai envie de regarder un peu partout en même temps. Est-ce que je peux voir tout? J'ai l'impression de pouvoir aller partout en fait. C'est ça le vrai truc, tu vois. Ok, donc là-bas je peux pas. Donc du coup le jeu m'a fait mentir hein, pour le coup. Essayons de mettre de la lumière. Ça allume la lumière où? Donc là il y a plein de notes, pas grand chose à prendre. Très bien. Donc repartons. On va essayer d'aller là-bas. On va essayer d'aller là-bas. Et on verra après pour l'autre chemin. Donc là nous avons donc la surveillance. Porte fermée. Ruchons la surveillance. Porte fermée. Surveillance. Il va y avoir des trucs à faire. Dans la surveillance, il y a toujours des trucs à faire aussi. Donc une note. I haven't seen Jackson for 3 days. Did he go home? J'espère pas qu'il est rentré, il était censé nous faire en sorte de nous mettre super machin là. Frérot Jackson, j'espère que t'es pas rentré. Putain, qu'est-ce qui se passe dans ce jeu? C'est quoi l'histoire de ce putain de jeu? Pas d'objet par là. Ce jeu est super oppressant les potes. Surveillance? Ça me fait des boucles. Ça me fait des boucles. Très bien, ça me fait des boucles. Faut que je retourne en arrière. C'est à dire que là j'ai fait ce que j'avais à faire ici. En gros j'ai pris la note que j'avais à prendre, je pense. Oh quoi mais... Je pète un câble. Frère, je suis en surveillance partout. Qu'est-ce qu'il y a à prendre? J'ai dû oublier un truc. Dans cette pièce il doit y avoir un truc que j'ai oublié. Quoi que j'aille, où que j'aille, il y a la surveillance. I've gone missing. The 10 who signed the petition have gone missing. Oh mais s'il te plaît, en gros les 10 qui ont signé la pétition ont disparu. En gros là si j'avance j'imagine que là ça va changer la pièce. Encore? Ah là y'a un truc à prendre. Du coup je vais prendre mes pilules. Hein. Moi je vais manger mes pilules à chaque fois. Comment je fais pour manger mes pilules déjà? J'ai oublié la touche quand même déjà. I'm sitting at my desk pretending to work. If you look like you're writing and focused on what you're doing, travailler. Nobody bothers you. I've been watching the guy 2 desks over from me for a few days now. I don't know his name yet. He looks agitated and then the doctor calls him in for these therapy sessions. I'm not sure what they do to him in there, but when he comes out, he's placidly calm. He
He has his gold watch that they let him wear. I'm not sure why they let him keep it. They confiscate all personal items when you're transferred to Hector. They even took my bear. I know it's stupid, but it helped me sleep. Ok, donc là en gros c'était une lettre d'une des patientes qui disait qu'elle faisait semblant de travailler et qu'il y avait du coup quelqu'un d'autre qui était présent et qu'ils ont appelé pour une session de thérapie. Et ils ont pris ce qu'il avait. Donc là il n'y a plus rien, c'est bon. Là j'ai pris toutes les notes que j'avais à prendre. C'est incroyable. Là il y a un objet ici. Une autre note. We're being filmed. Everything we do here ends up on a tape somewhere. Everything. I started seeing the place differently after I realized that. Those who've been here for a while always kept their heads down. They were always curt when you tried to talk to them. They didn't want to implicate themselves in anything. I've walked by the surveillance rooms before, but we don't have clearance to enter. It's a good bet that's where they're keeping the tapes. En gros, la meuf dit que dans l'endroit qu'est Hector, ils sont filmés en permanence et que les cassettes sont quelque part. Où je dois aller, putain, j'entends des pleurs, je sais pas ce qui se passe. Tonight, we'll meet at McGuinn's room. He has a plan. Oh là là. Donc là, le but c'est de trouver des notes à chaque fois. Et là ils mettent dans une boucle en fait. Depuis tout à l'heure j'arrive à mettre dans une boucle où genre justement genre, je trouve des notes, je trouve des notes, je trouve des trucs. Comment je sais déjà. Ah. I could be wrong, but I'm pretty sure he's been working for 2 days straight. He hasn't gone up to use the washroom. I haven't seen him in the mess hall or the dorms. He hasn't said a word in days. He just sits there, working. Sometimes I hear him moaning a little bit from his desk. I don't think he knows he's doing it. Il ne sait pas qu'il est en train de faire ça. Très bien. En gros, là, ça fait toujours qu'un mec travaille. Et elle est en train de dire qu'il ne sait même pas qu'il est en train de faire ça. Donc là, on a de la lumière qui se passe ici, étrangement. Donc beaucoup plus éclairé que d'habitude. C'est assez étrange. Ok. Donc, du coup je pensais que c'était un appel pour aller ici. Mais finalement pas du tout. Donc faisons un autre tour. Et voyons s'il n'y a pas quelque chose, une autre note à prendre ou quoi que ce soit. Donc j'arrête pas de prendre ça. Ouais, je vais prendre mes pilules moi. Là au bout d'un moment, je prends toutes mes pilules, encore une note. Donc en gros là depuis tout à l'heure on essaie de comprendre l'histoire petit à petit. Hein. Kane is looking over here. He always stares at me. I'm writing this note so I look busy. I don't want him to come over. He hurts me. Keep writing the note. Not that it matters anyway. Oui, un mec qui I'm one of the only women in Hector, and Kane is a fucking animal. Comme he comes into my dorm almost every night, and he touches me. I pretend to be asleep until he finishes. I pretend to be asleep until he leaves. And then I cry. As quietly as possible, so he doesn't hear and come back. He gets angry when I'm awake. Mais mec, y a des notes à chaque fois, tu sais. Genre au bout d'un moment, y a pas un truc qui se passe. It's confirmed. Ah. Jackson was murdered. Ah. Ok, donc là, c'est confirmé. Jackson a été assassiné. Et là, je pense que ça va commencer à s'emballer. Je pense que ça va bien partir en couille, mec. J'essaie toujours d'ouvrir la porte. Une autre note. McGuinn stole a gun. In 3 days, we're going to take the doctor hostage and escape. It's our only hope. Ok, donc en gros, McGuinn a volé un pistolet. Dans 3 jours, on va prendre en otage le docteur et s'échapper. C'est notre seul espoir. Un petit peu la note que nous avons ici. Je peux pas tout brûler là, vraiment. C'est cool. Là nous avons des trucs. Je trouve une note. J'ai l'impression qu'ici il n'y a rien. Depuis tout à l'heure, je vais ici. Et il n'y a absolument rien. Genre vraiment c'est une pièce inutile. Ok ça va, c'est moi qui ai poussé la porte. J'ai commencé à me chier dessus déjà. Il n'y a rien pour le moment. Cassette ici.
Est-ce qu'il n'y a pas une note là? Encore une note là. Ok, très bien. I can't go through with this uprising. I have a bad feeling. I told them I quit. Donc en gros là voilà, genre il y a des mecs qui n'ont pas suivi le move de McQueen hein, pour justement essayer d'enlever, enfin de prendre en otage le docteur. Et il a dit qu'il quittait le mouvement. Donc voilà un peu pour le délire. Et là nous avons donc la lumière qui est totalement allumée contrairement à d'habitude. Oh putain de merde. Ah, est-ce que vous êtes dans l'ambiance les potes là? Est-ce que vous êtes dans l'ambiance? Quoi? Ça s'allume partout moi. Aller. Parfois les lumières sont allumées et parfois elles sont éteintes. Comme c'est étrange, donc en gros j'ai l'impression d'avancer en gros depuis tout à l'heure en prenant des notes. Mais là, sur ce tour-ci, je n'avais pas du tout de notes. Donc, est-ce que je serais passé à côté ou est-ce que juste fait de la merde? Putain, mais cette porte-là, je ne peux pas l'ouvrir aussi. Non, cette porte-là, je ne peux pas l'ouvrir depuis tout à l'heure. Oh mec, c'est insane le jeu, hein, vraiment. Là, il n'y a plus de notes nulle part et toutes les portes sont fermées. Je me demande où je dois aller. Est-ce que vous avez une idée d'où je dois aller les potes? Parce que faire les tours c'est bien beau mais j'ai pas l'impression d'avoir des notes ou quoi que ce soit à prendre depuis tout à l'heure. Donc là si vous avez une petite idée, n'hésitez pas à me la partager. Parce que là je tourne en rond, je ne sais pas trop. Attends, je vais pas manger mes pilules là. Voilà les bonnes pilules que l'on bouffe. Je sais pas ce que c'est comme pilule ça, c'est quoi ça? C'est une batterie. Ah c'est une batterie ça? Est-ce que je peux pas la placer quelque part tu vois? Justement la batterie, peut-être la placer quelque part. Non, putain la musique. Ah la musique est horrible. Ah je reprends des pilules mon pote hein. Et là ça repart sur des grosses pilules. Y'a rien. Y'a rien. Oh. Oh merde, qu'est-ce que j'ai fait? Tape full, eject. No tape. Voilà. Boot. Est-ce que je peux mettre un record là? Je peux pas prendre cette cassette là. Ok, j'ai allumé ça, j'ai retiré la cassette cette fois-ci. Et donc du coup, vu que j'ai retiré la cassette, puis-je faire quelque chose? Find it. Find the tape. Find the tape. J'ai trouvé la tape. J'ai trouvé la tape, frère. C'est bon, elle est là! Qu'est-ce que je dois faire maintenant? J'essaie de faire un tour. Essayer de comprendre en faisant un tour. Voilà. C'était ça. C'était juste ça. Fallait juste que je change le tout. Donc je pouvais pas ramasser du tout la cassette. Mais juste ça m'a fait changer de boucle en fait. Et ça, c'est pour ça. Il fait flipper. Communication intelligente. Intelligence. Allons plus loin. Intelligence. C'est fermé. Ah non, c'est ouvert. My bad. Il y a un truc qui brille ici. Voilà. Je sais pas tout ce que je dois faire avec ça. Du coup, on va remanger des bonnes pilules. Allez, suicide. Non, je peux pas. S'il vous plaît. Donc là il faut que je trouve une autre cassette j'imagine. Donc communication management. Allons dans le management. Voyons voir. Ce qu'il y a ici. J'allume la lumière. Putain. C'est moi là? C'est pas moi? C'est pas moi qui ai fait ce bruit. Sa mère. Et je me chie dessus les gars, c'est terrible. Là j'ai allumé de la lumière. On va avancer ici. J'ai l'impression qu'il y ait grand chose pour le moment. Là,
Ouais, je vais en faire quelque chose. J'essaie de comprendre, hein. Là pour le coup je dois trouver une cassette, hein, que la petite voix dans ma tête me dit, donc la petite fille qui est dans ma tête me dit donc je vais trouver une cassette. Voilà, j'ai une de lumière, j'essaie d'avancer à chaque fois. Par cette porte-ci, mais cette porte-ci est fermée, du coup je dois donc me diriger par là-bas. J'ai l'impression de faire des tours depuis tout à l'heure. Je suis de l'autre côté, je suis de l'autre côté de la salle. Fermé, ouvert. Ouais, moi je fais des déductions assez logiques, hein. Fermé, ouvert, voilà, c'est bon. On y va, on y va pas. Attends, il n'y a rien. On peut pas se doucher là, petit bain au calmos. Ok. On avance un peu. Là, il y a donc. Pas de fumée, pas de feu. Merde. On va peut-être pas dû faire ça. Mais on va essayer de sortir. Allez, montons. Essayons de voir. Je suis où? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que tout ça? Donc là-bas, il n'y a rien. Absolument rien à faire ici. Là-bas, il n'y a rien non plus. On peut pas faire grand-chose par là. J'essaie de regarder partout, hein, bien entendu, pour essayer de bien fouiller. Et ne rien louper parce que repasser à ces endroits-là, je n'en ai aucune envie. Mais genre là, vraiment, il y a le zéro envie total. Attends, les pilules. Eh oui, mon pote. Je sais pas à quoi servent les pilules, hein, honnêtement. Je pense que ça doit m'empêcher d'être fou. Ou un truc comme ça. Putain, mais il y a des chemins! Je vais passer là-bas avant. Check le tout. Essayer d'aller tout droit. Ouais, je fais un tour. Je fais un tour. Je suis déjà passé par là-bas avant. Je suis déjà passé par là-bas avant. Ça me dit quelque chose cet endroit. Je suis déjà passé là. Jusque... Ah ça j'ai pas été par contre. Qu'y a-t-il là-dedans? Putain. Donc surveillance. Ah! Un autre poste de surveillance. Pas mal. Là ta cassette. Voilà, j'ai du coup la cassette. Est-ce que je peux la mettre quelque part? Donc j'ai la cassette. Vais-je pouvoir m'en servir à un endroit? Oula! Où suis-je? Putain de merde, mais pourquoi je suis là? Les potes! Où dois-je aller? Je peux pas mettre mes trucs ici. J'ai pas l'impression de pouvoir utiliser ma cassette ici. Il faut que je retourne à l'autre poste de surveillance et que j'aille mettre la cassette. Allez, on y va. On va rush l'autre poste de surveillance en espérant le trouver le plus rapidement possible. Je commence à bégayer de ouf. Genre là, je suis en PLS. Je sais pas du tout par où je dois aller. Je suis païen. Là je viens de là-bas, je pense qu'il faut que j'aille là-bas. En gros moi je suis la lumière, hein. C'est pas ça. Si je mets ça, est-ce que je peux mettre ça là-dedans? J'entends des pleurs. C'est méga oppressant. Je sais pas où je dois aller. Y'a plus du tout de musique. Ça fait flipper. Quand y'a plus du tout de musique, t'es en stress. Mais genre, c'est insane. Donc là, c'est de là d'où je venais. Ok, je vais essayer d'aller là-bas. Essayer de faire le chemin. Continue tout droit. Aller à gauche, là. Voilà. Là, aller à gauche. Là, ça me dit quelque chose, tu vois. Genre, en gros, si je continue ce chemin-là, ça me dit vraiment quelque chose, tu vois. C'est le vrai que c'est là, je suis bloqué. Putain, qu'est-ce que c'était? Qu'est-ce que c'est que cette merde? What? Ah, j'ai eu un réflexe, mon pote. Le bon réflexe de joueur de jeu d'horreur. Je suis bloqué. Je suis totalement bloqué là. Qu'est-ce que je fais? Bloqué ici. Ici, il y a donc la porte. Ah merde. Ah merde. Il y a un cadavre, frère. Il va se réveiller là. Vas-y, je dois aller où? Les gars, ça fait combien? Il est quelle heure, les amis? J'ai pas l'heure devant moi, donc c'est chiant. Je crois que c'est la fin du live là déjà, non? Ah les gars, c'est la fin du live, dites-moi.
Oh ah, qu'est-ce que c'est que ça? C'est un pute. Est-ce que j'ai la tape cette fois-ci? Jackson is putting in a petition to make. Mais dis pas que j'ai recommencé ça du début, parce que là ce serait très chiant ça. What the hell ce truc? Il m'a rushé la gueule, donc je sais plus où je suis là du coup. Où est-ce que j'ai recommencé? Oh merde! What the fuck? Vas-y. C'est quoi ce mob, mec? C'était un insécateur qui m'a rushé la gueule? Mais non, je dois recommencer tout ça là. Oh, c'est chiant. Si je dois recommencer tout ça, c'est très chiant. Stand by. Ok, donc en gros, là je vais essayer de reprendre tout. J'espère que je dois pas tout recommencer, sinon ce serait chiant. Donc faut pas que j'oublie de prendre mes pilules apparemment. Sinon, si je prends pas mes pilules, je me fais grailler. Très bien. Stand by. Ah voilà, ah j'ai mis ma cassette dedans. C'est nice ça, hein. Attends, mangeons nos pilules. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que je peux faire des trucs? Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas quelqu'un? J'ai pris des pilules à pente. Là regardez, il y a un truc ici qui disparaît. Aux escaliers, juste là sur le coin. Là ça veut dire qu'il y a quelque chose à prendre ici. Là, regardez là, sur celui-ci. Très bien. J'essaie du coup d'aller là-bas. What? Oh, ça. Ouf, a fait coucou. Salut, ça va? Oh, ça va pas trop quoi. Écoute, pas trop la grande patate. Hein. En gros, est-ce qu'il y a une barre pour ça? Une souris. Ah, je suis sûr, je vais prendre des pilules tout le temps maintenant. Là. En gros, c'est là d'où je viens. Là, j'ai déjà été ici. Depuis tout à l'heure, tu vois, genre, je fais des petits tours, tu vois. En gros, là, ça m'a remis au point de contrôle bizarre. Je vais prendre une pilule. Je vais en prendre une quand même, au cas où. On va en prendre une gentiment. Il y a un bruit bizarre. Je sais pas d'où ça vient. En bas, peut-être. Descendons. Voyons. Et c'était ici. Là, il y avait quelqu'un ici. Non, c'était pas là. C'est vrai que c'était là. My bad you. Putain, ça devient de plus en plus flippant là. Y'a pas des pilules là, il me faut des pilules vite. J'en ai plus beaucoup, j'en ai plus qu'une. Si j'en ai plus qu'une en gros, sinon faut que je rush hein. Et faut que je rush des pilules. Ah c'était quelque part par là. C'est quelque part vers des escaliers là, non? C'était pas là? C'est le moment de prendre une pilule bientôt. Je vais aller vers la lumière. Moi je vais vers la lumière, moi je m'en bats les steaks. Toujours fermé, toujours fermé, très bien. Prenons notre pilule. Ressortons et cherchons d'autres pilules. Vite, car sinon si j'ai pas de pilule, je vais me faire des grailles direct. L'ambiance du jeu est très très pesante. Je vous dis pas à quel point ça me met mal à l'aise. De toute façon, vous le voyez à ma gueule. C'est là d'où je viens, je suis descendu. J'ai vu ça. J'ai été là. Il faudrait que j'aille tout droit là. Dans l'idée, il faudrait que j'aille tout droit. Ici, j'ai pas été. J'ai pas trop check s'il y avait des trucs, pas grand chose. C'est de remonter. Non mais c'est là d'où je viens, putain, je me perds de... Là je me suis perdu, là je suis perdu. Avec le stress en plus de ça, je suis méga perdu. J'ai plus de pilules, je vais me faire grailler, 100%. Bon, manger 100%. Ah là j'ai pas été ici, générateur. Les générateurs ici. Mais si, putain. Où est-ce que je suis? Je vais me faire manger bientôt, les gars. Je vais me faire manger bientôt. Où est-ce que je dois aller? C'est où ça?
Bon, préparez-vous à voir le mob. Préparez-vous à voir le mob bientôt. Parce que là, je suis sorti ici. Je suis allé là-bas. J'ai plus de pilules. Est-ce que j'ai d'autres objets? Y'a pas de petite pilule là? Je descends. Mon bel steak. Là, j'ai pas le choix, je rush. C'est là qu'elle est. C'est qu'il y a un truc à faire. Voilà, c'est que shit. Ok, carne, j'ai la carne. If you're reading this note, it means I wasn't able to come back for my supplies. Oh, putain de merde. It means I failed to escape. I'm not sure exactly what's going on in this place, but I found out today my sessions are starting tomorrow. I'm so afraid. I saw what happened to the others. I stole these supplies. A flashlight, some food, and a key card I found. The key leads to the cell blocks. That's where they're taking me. Please help me. Find me. Ok, donc on va essayer de le trouver. On s'en bat les couilles maintenant de ça. Il faut pilule. J'ai que des putains de trucs de merde. Donc là, en gros, je risque de me faire rush par le mob prochainement. Mais c'est pas grave. Apparemment, on peut fuir. Donc du coup, je vais fuir. Et là, il faut que j'aille utiliser la carte. Mais la carte, c'est pourquoi? C'est ça la question que je me pose. Pourquoi vais-je utiliser la carte? Non, je rush à l'aveugle, hein, vraiment. Putain, alors. What? Le jeu? Oh putain. On se fait brainhead par le jeu. J'essaie d'avancer, je continue. Les mobs vont rush à un moment, putain. J'ai très très peur. J'ai très 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 peur. Allez, tout droit, tout droit. On va aller. Je sais pas où je vais. Les potes, là, je suis en train de rush un truc en mode. Je m'en bats les couilles, vraiment. Là c'est ça là, j'utilise la carte ici, nice. Oui. Allez, avançons. Rushons là-bas, sortons. Ah. Bah je peux pas le passer. Oh putain. Allez, rush, sort de là. Oh merde. Et moi je continue tout loin, hein. Jusqu'à ce que je tombe dans les pommes, je m'en bats les steaks, hein. Pourquoi le mob, j'ouvre la porte, y'a un mob, frère! La lumière, viens à moi! Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien les potes, c'était une bonne session pour commencer. Donc c'était la première partie de Hector. Donc j'espère que ça vous a plu. Je vous mets du coup une courte page de publicité. Ensuite on se refera une demi-heure sur le jeu. Et on va se quitter ensuite là-dessus. Donc merci à tous d'avoir regardé cette première vidéo sur Hector. J'espère que ça vous a plu. Je vous fais des bisous. Pour vous tous qui êtes en live, je vous dis à tout de suite. Pour vous tous qui êtes sur YouTube, je vous dis à la prochaine sur une prochaine vidéo. Et voilà, ciao.